It's a good day for the Haida Nation and a good day for Canada. Hawa. Cette dernière étape législative pourrait conclure plusieurs années de bataille du Conseil de la Nation Haïda pour devenir indépendant. Le Conseil gère un territoire de 10 000 km² répandu sur 200 îles. C'est l'archipel Haida-Gwaii, au large de la ville de Prince Rupert. Une zone naturelle, en grande partie protégée dans les années 80, après une lutte intense des Haïda. C'était une des premières victoires de cette nation devant les gouvernements fédéral et provincial. It officially recognizes the Council of the Haida Nation as the legitimate government representative of the Haida people. Le projet de loi fédérale S16, introduit ce matin, reconnaît le Conseil de la Nation Haïda comme un gouvernement local qui a le droit à l'autodétermination. Cette nation, de près de 5000 membres, dont la langue n'est plus parlée que par une vingtaine de personnes, a toujours eu un statut particulier en Colombie-Britannique. Le Conseil de la Nation Haïda a été fondé en 1974 et sa constitution adoptée en 2003. L'an dernier, Victoria avait déjà reconnu le Conseil de la Nation Haïda comme gouvernement à l'aide d'une loi provinciale. Mais ce sont vraiment les Haïda eux-mêmes qui s'étaient organisés et avaient demandé cette reconnaissance et l'autonomie depuis plus de deux décennies. We didn't wait for Canada or BC or anyone to empower us or come along and tell us how to do things. Our people recognized our inherent right. Le projet de loi S16 doit encore passer en deuxième et troisième lecture au Sénat avant d'être examiné à la Chambre des communes et de devenir une loi. Ici Benoît Ferradini, Radio-Canada, Vancouver.